Bonjour, ici Romain Desrosiers, bienvenue sur ma chaîne Entraîneur de Bridge. Dans la leçon 183 d'aujourd'hui, nous verrons comment Sud comme déclarant et Est en défense doivent raisonner. Ici, les enchères se sont déroulées comme suit. Passe par Sud, un carreau par Nord, un sens d'atout par Sud, et 300 atouts par Nord, établissant le contrat et l'entame est du 9 de cœur. Sud fait la règle de 11 pour le 9 de cœur. Si le 9 de cœur était la quatrième meilleure d'une suite de 4-4, il y aurait 11 moins 9, 2-4 de cœur entre les mains de Nord, Est et Sud. Or, Sud envoie déjà 3. Donc, le 9 de cœur est probablement la tête d'une séquence de 9-8-7 ou 9-8-6 en cœur. Il est probable que le valet et le 10 de cœur soient en Est. Sud voit donc 3 levées de cœur, 4 levées de carreau une fois que l'as de carreau sera parti, et 4 levées de trèfle en notant qu'il joue as au roi dame de trèfle, suivi tout en gardant une entrée avec le roi de cœur pour faire le quatrième trèfle. Donc, son contrat est pratiquement certain, en notant que les défenseurs ne jouent pas pique, puisqu'il y a un danger à pique si les honneurs de pique sont divisés et que Est et Ouest peuvent faire 4 levées. Voyons maintenant le raisonnement du côté de Est. Est voit aussi l'entame du 9 de cœur de son partenaire. S'il fait la règle de 11, 11 moins 9, si son partenaire avait entamé de la quatrième carte de sa plus longue suite, il n'y aurait que deux cartes de cœur plus hautes que le 9 entre les mains de Nord, Est et Sud. Or, il voit déjà la dame de cœur ainsi que le valet et le 10. Donc, le 9 de cœur n'est pas la quatrième carte d'une suite à cœur, mais probablement une séquence qui commence par le 9, le 8, etc. Donc, Est conclut que la suite cœur n'est pas une belle suite à développer, puisqu'il est très probable que l'as et roi de cœur soient en Sud. Doit-il conclure? Il doit conclure simplement que les trèfles n'ont pas d'avenir, que les carreaux n'ont pas d'avenir puisqu'il a l'as, et que son seul espoir est que son partenaire est l'as de pique, et qu'il puisse faire 4 levées de pique s'il revient du 3 de pique. Regardez maintenant la suite du jeu. Sur le 9 de cœur, la dame de cœur est jouée en or, puisque Sud veut conserver les entrées ici avec as au roi de cœur une fois que les trèfles seront partis. Il joue immédiatement le roi de carreau, en espérant que Est va revenir cœur dans la suite de son partenaire. Effectivement, si vous voyez que si Est revient du valet de cœur, l'as de cœur va faire le lever, suivi du roi de cœur, des trois levées de trèfle et des quatre levées de carreau pour réussir le contrat. Compte tenu qu'il n'y a pas d'avenir à cœur, puisque le 9 de cœur était à la tête d'une séquence, qu'il n'y a pas d'avenir à carreau et qu'il n'y a pas d'avenir à trèfle, revient simplement du 3 de pique, promettant un honneur. On se rappelle que si, durant le jeu, un défenseur revient d'une petite carte, il promet un honneur à son partenaire, soit un as, un roi, un valet ou une dame. Et s'il revient d'une grosse carte, il n'en promet pas. Donc, le 2 est joué ici, suivi de l'as. Compte tenu que West s'est rendu compte que son partenaire n'avait ni le roi ni l'as de cœur, il revient simplement dans la couleur initiée par son partenaire. Et le 10 de pique est joué, suivi du roi.
et de la dame, et 19 pour faire chuter le contrat. Vous voyez donc qu'il est très important pour les déclarants de faire l'analyse de l'entame, mais il est aussi très important pour les défenseurs de faire la même analyse pour effectuer le bon plan de jeu. Dans la suite du contrat. Je vous laisse maintenant cliquer sur la vidéo en haut à gauche de votre écran. Je suggère de vous abonner et à la prochaine.